Bonjour à tous, je suis Captain Spark et vous êtes à l'écoute du 8ème épisode YouTube de l'actu vidéoludique du Captain qui clôt un an de bons et loyaux services à l'écrit. Il s'agit, comme à chaque fois, de présenter les news qui m'ont intéressé durant le mois de septembre 2017. Alors c'est parti! Vous n'aurez pas échappé à la dynamique Total War ce mois-ci avec le studio britannique Creative Assembly. En attendant le nouvel opus historique après Total War Attila, paru en 2015, et en passant rapidement sur les versions par navigateur Total War Battles Kingdom de 2015 et la bêta de Total War Arena, la trilogie Total War Warhammer délivre son deuxième opus. Notre test, à l'écrit, vous fera découvrir comment les développeurs ont adapté le nouveau monde, étoffé la formule stratégique et tactique autour d'un nombre de races encore restreint. Les 4 races sont ainsi très différentes les unes des autres et assurent une solide durée de vie au titre avec les 8 campagnes, présentant d'arrogants et ordonnés hauts elfes maîtrisant la politique, de vicieux et mortels esclavagistes et pirates elfes noirs, des pouilleux et discrets skavens vivant sous terre, jusqu'aux gardiens des temps anciens que sont les reptiliens hommes lézards. À coup sûr, une bonne pioche. Vous vous rappelez sûrement ce jeu à format épisodique, bourré d'émotions et de musique à base de guitare acoustique, fait par les Français de Dontnod Entertainment, après leur jeu d'action au scénario intrigant Remember Me de 2013. Life is Strange, paru en 2015, revisite le monde mélancolique et mystérieux d'une adolescente qui découvre un nouvel environnement scolaire au sein de la Blackwell Academy. Le premier épisode du préquel est ainsi sorti ce mois-ci, se concentrant sur l'adolescente rebelle et décomplexée, tout du moins c'est ce qu'elle prétend, qui sert de sidekick à l'héroïne de l'opus initial. Toutefois, ce sont les Américains de Deck Nine Game qui reprennent la suite des Français qui, eux, se débrouillent avec leur futur jeu d'action et d'enquête Vampire, dont la sortie a été repoussée à 2018. Nous avons fait le point sur la série XCOM et un dossier sur le genre promu depuis 1994 est en route vers la publication. En attendant, vous êtes au courant que les Américains de Firaxis Games, quand ils ne sortent pas 5 DLC pour Civilization 6, sortent des DLC pour XCOM 2, paru en 2016. Après Anarchy's Children, Alien Hunters, Shen's Last Gift et Resistance Warrior Pack, qui apportent selon le cas presque rien ou des quêtes et de nouvelles classes de soldats, War of the Chosen calme le jeu en étant vendu au prix d'une vraie extension. Vous êtes toujours en train de lutter contre l'ennemi extraterrestre qui a pris le contrôle de la planète, et vous devez toujours développer la rébellion, vous infiltrer en territoire conquis, saboter les infrastructures adverses, tout en progressant dans les technologies, en améliorant votre vaisseau discrètement, et en faisant prendre du galon à vos hommes pour qu'ils développent des compétences utiles pour le combat tactique. A cela se rajoute donc cette extension. De nouvelles missions et unités arrivent, 3 aliens d'élite se chargeront de traquer vos hommes en intervenant dans vos missions. Vous devrez ménager 3 factions humaines à la philosophie différente, en intervenant pour eux et en évitant de vous les mettre à dos pour récolter des classes supplémentaires et de nouvelles ressources. Vous pouvez envoyer des troupes en infiltration, vos soldats se fatiguent après chaque bataille et doivent se ressourcer, et des liens d'amitié peuvent apparaître entre vos troupes, autorisant de nouvelles compétences. Des ajouts bienvenus qui renforcent la tension de la campagne, sans non plus révolutionner l'expérience initiale. Cela reste un peu plus intéressant que les DLC à répétition. On a coutume de faire remonter le jeu d'exploration et de combat spatial à Elite en 1984. Le joueur dispose en effet d'un vaisseau, d'une poignée de crédits et est lâché dans un univers où des factions coexistent et où il peut se faire explorateur, pirate, commerçant, mineur. Ce bac à sable spatial a eu une grande importance sur les simulations spatiales. On compte par exemple dans sa lignée le MMORPG le plus complexe du marché, j'ai nommé EVE Online, de 2003 à aujourd'hui, mais aussi la série Wing Commander, 1990-1997. Parmi ses successeurs spirituels se trouve la série des X, de X Beyond the Frontier, 1999, à X Rebirth, 2013, en passant par le très connu X3 Terran Conflict en 2008. Si la dernière occurrence de 2013 n'a pas convaincu les joueurs, déçus par les choix des Allemands d'EgoSoft, la série a marqué les joueurs par sa complexité, son réalisme au niveau des distances, des commandes et de son univers porté par plusieurs nouvelles écrites, et son degré de profondeur. Partir de rien et construire un empire multiplanétaire est le rêve rendu possible par ce bac à sable. Le prochain opus est donc désormais annoncé avec la devise du studio inscrite dans le marbre et que je vous traduis pour vos beaux yeux, commerce, combat, construit et pense. La nouvelle mouture de la série de stratégie tactique Heroic Fantasy Touffu, qui est Dominions depuis 2001, est donc prévue pour le mois de novembre. Au menu, la magie, les bénédictions et les forteresses sont revisitées, les batailles passent au temps réel, la carte de campagne inclut comme nouvelle ressource des points de recrutement corrélés à la population de chaque province, et on attend des tas de nouveaux sorts, monstres, unités et nations. Quand vous avez un système tactique qui fonctionne, pourquoi ne pas le réutiliser pour adapter diverses périodes historiques ? Après la Seconde Guerre mondiale, la Renaissance et le Sengoku Jidai japonais, voici que les batailles de l'Antiquité s'adaptent à leur tour au système Slytherin.
Outre notre aperçu détaillé, on mentionne des unités comptant de très nombreux paramètres, une intelligence artificielle capable de vous faire quelques frayeurs, de très nombreuses factions avec leurs propres unités respectant le format historique, et un jeu qui se prend assez facilement en main. Le successeur de la série française de jeux tactiques sur la guerre froide, Wargame, est venu en juin sous la forme du jeu Steel Division 44. Vous choisissez, dans la Seconde Guerre mondiale, une division avec ses forces et faiblesses, la composer en unités suivant la bataille pour servir dans la phase du début, du milieu ou de la fin, imposant des choix cornéliens en essayant d'équilibrer les unités ou de mettre les meilleurs dans une phase particulière, puis vous vous retrouvez sur le champ de bataille à gérer ravitaillement, front, reddition, bombardement et embuscade. Le DLC Second Wave proposera ni plus ni moins que 4 divisions. Même si celles-ci sont originales, comme les forces à pied de la Luftwaffe pour l'Axe, c'est un peu chiche. Financé sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, le projet Ancient Frontier est arrivé à son terme. Nous obtenons ainsi deux longues campagnes entièrement doublées pour le malheur des testeurs qui pestent notamment contre deux personnages, se draguant ouvertement dans des dialogues selon une sorte de modèle amour, gloire et beauté. Quoi qu'il en soit, les batailles tactiques restent intéressantes avec de nombreux modèles disponibles, la nécessité de faire très attention car la destruction d'un vaisseau est irrémédiable, tandis que la progression à travers les missions principales ou secondaires rapporte compétences et expérience. Le très bon Sanctus Reach, qui adaptait le monde de Warhammer 40 000 en reprenant en partie le système du jeu de figurines pour notre plus grand plaisir, s'est déjà étendu cet été avec une toute nouvelle campagne orc. Désormais, la garde impériale est prévue au menu. Ces braves et nombreux humains sont prêts à représenter l'empereur par leur masse et leur char dans une nouvelle campagne qu'on attend donc. Le petit studio indépendant britannique Introversion Software est fondé en 2001. Après la série de jeux de stratégie atypiques dans sa forme et dans son utilisation d'une masse de caractères sans modèle 3D comme Force de Choc dans Darunia de 2005 à 2010 et un jeu multijoueur de simulation de la guerre froide qui tourne mal, Defcon, en 2006, présente en 2012 Prison Architect. Aidé par des graphismes très particuliers, la simulation de gestion prisonnier est extrêmement complète et sort en version finale en 2015 puis en 2016. D'autres petits développeurs réutilisent le moteur graphique et le système de jeu développé par Introversion Software, comme le papa de Rimworld, jeu de survie futuriste à la Dwarf Fortress et qui sort en accès anticipé depuis 2016, et Academia, qui reprend donc le moteur de Prison Architect pour en faire une simulation de gestion d'école. C'est prometteur, plein de bugs. À n'en pas douter, c'est un des jeux les plus mystérieux à être paru ce mois-ci grâce aux parisiens de Sloclap. Sans un mot prononcé du début à la fin, ce jeu d'action en ligne bénéficie d'un traitement graphique et musical onirique, nous faisant nous poser 1000 questions sans obtenir aucune réponse, si ce n'est des coups. Vous rencontrez des joueurs, amis ou ennemis, et des PNJ, et vous allez devoir vous battre encore et encore. Style, barre d'endurance, type de coup, esquive, à vous d'élaborer vos propres combos grâce à l'expérience que vous aurez récoltée en frappant ou en prenant des marrons, tout en parcourant un monde ouvert, mystérieux. Une vraie surprise. Le 4X d'Ashdar Games, vu en janvier, loin de révolutionner le genre, en prend la substantifique moelle pour nous proposer un petit jeu sans prétention. Une extension est prévue pour octobre, Legacies, une nouvelle faction, une nouvelle mini-faction, de nouvelles technologies. Les développeurs sont toujours dans la course spatiale. L'épisode est donc maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Après l'épisode de l'E3 et celui sur la Gamescom, on a un mois un peu plus tranquille, sans manifestation majeure du monde du jeu vidéo, ce qui nous permet d'avoir un épisode un peu plus court. Quoi qu'il en soit, on se retrouve comme d'habitude sur lemondeducaptainspark.fr et sur Mundus Bellicus pour plus de news, plus de tests et plus de ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Salut !